suis malade en ce moment. j'ai une bonne envie, donc je travaille chez moi là, depuis deux jours. J'ai sa peau de rein aussi, donc ouais, du coup j'ai laissé des avis sur l'I9 et j'étais en train de manger et puis j'ai entendu que ça parlait, donc je suis vite allé à la télé, montrer le son. Et voilà, donc voilà. C'est pour ça que j'ai une petite veille sur l'I9, mais je suis à la maison là, bien au chaud, avec la gorge au chaud, parce que là, c'était une vraie torture de manger ces jours-ci. Voilà. De retour. Si, bah écoute, moi ça fait tout le monde qui est à la maison, oui. C'est un arrêt maladie, ouais. C'est quand même presque plus de moi. J'ai tout un ami à la maison, et ça va être tout le temps, je vais considérer tout le temps. Voilà, j'ai quand même des petits nouveaux pros. Ok, donc je sais ce que c'est de la maison, mais si je m'avais laissé le poste à l'île, on s'en comme ça. Je suis de retour, ça y est. Bon, là je suis sur la rocade de Libourne. Attention, Delu 33, Poudandi 33 qui t'appelle. Ok, cool. C'est beaucoup de difficultés à ce côté, effectivement c'est tout petit, donc les amis qui à toi, bonne route, je suppose que tu retournes peut-être dans le 69, tu es peut-être venu charger chez nous et tu repars en bas, bah écoute, les bons 73. Mais non, c'est qu'il y a plein de monde sur 19. Sur la module avec plaisir, et merci de ta présence sur le 19, voilà. j'ai entendu Rémi qui était derrière, vas-y à toi Rémi. Ok, les modes 73-51 à tous, voilà, j'entends que toi là. Voilà, j'ai entendu la précédente station là juste à peine. C'est toi qui passes le plus fort là de mon côté. Et là je suis sur la rocade de Libourne, direction Bordeaux, puis après direction Le Barp. Ok, ça roule, bon bah tu te rapproches, ça va être de mieux en mieux alors. Et ben voilà, ben moi QTH, ben c'est chez moi, voilà, on était avec la station qui s'appelle Colt du 64, voilà, qui est en 1000 pattes, qui était sur Talence, au moment où il a répondu à la demande des satellites de Fredo, voilà. Fredo qui a un petit souci d'antenne avec de l'eau, des dents ou quelque chose comme ça, donc qui a fait un petit peu de réparation et qui voulait faire un essai, donc voilà, ça fonctionne. Ah oui, affirmatif. Eh ben voilà, tu as dit le mot qu'il fallait. En plus, toi, là, je suis en train de... Vu que je t'ai entendu, là, je suis en train de faire une petite vidéo. Tu as dit justement les mots qu'il fallait être sur le 19. Voilà, quand la propague n'est pas là, rien n'empêche de redescendre sur le 19. Et c'est là qu'on s'aperçoit bah, qu'il y a du monde. Il faut seulement savoir les accrocher en fréquence. Et puis voilà, ou répondre aux appels, aux essais. Et c'est tout bon. C'est normal, c'est bien, faut faire vivre un
personne ne s'est dit. Justement, elles sont les bienvenues, les conneries, à Chitroico, pour montrer qu'on n'est pas trop sérieux, quoi. Non, on dit pas de bêtises, c'est sérieux, mais c'est quand même d'appel ici. Je dis, on raconte pas de bêtises, on parle avec les codes civils bien précis, tout ça. Attention, hein, ça rigole pas, hachis. Voilà, puis on fait les QSY comme il se doit et tout, on respecte bien le. Allez, ça y est, c'est facile de raconter les conneries. Hein. Et c'est vrai que là on aurait pu faire un petit QSY, hein, mais bon voilà, bon, ok, félicitations et tout ça, bien sûr, voilà, n'hésitez pas à intervenir, en attendant, on fait vivre le canal, voilà, ça fait aussi pas de mal. Voilà, exactement. Voilà, c'est exactement ça. Contrairement à certains grincheux, on fait justement vivre le canal. De toute façon, là, on ne dérange personne pour le moment. Si d'autres stations veulent lancer des appels, eh bien, de toute façon, on ne les empêchera pas d'appeler. Et puis c'est tout. Hein. Voilà, j'ai laissé un blanc exprès pour laisser la place un petit peu. Ok. Mais c'est très bien tout ça. Dis-moi, tu vas au boulot ? Non, négatif, c'est pour raison familiale, je dois descendre sur le BARP. Ok, ça marche. Le signal, ça veut dire, ça devient chouette. Hein. Je sais pas si t'as mis du beurre dans les épinards, mais ça, le signal est pas mauvais, là, ça commence à être bon. Eh bien, je suis à la hauteur de la sortie 7, là, sur la voie rapide, la Libourne-Bordeaux, c'est-à-dire juste après le portique et puis là où il y a le radar automatique. Donc là, il y a un petit peu de route. Alors, je vais te faire la même réponse que j'ai fait là pour les autres stations, comme ce matin, par exemple. J'ai pris du mirror et j'ai bien astiqué l'antenne. Voilà, là, il doit y avoir au moins 4 couches de mirror. Ça l'a fait bien briller. Les ondes portent nettement mieux. Hachi ! Ah bah t'as raison, une bonne antenne bien brillante, c'est rien de tel, c'est comme ça que ça marche. Oui, voilà. Je crois que j'ai une tension de station derrière, donc on va laisser un petit peu de place si ça t'ennuie pas. Non, bon, c'est silence. T'as fait un petit QSY sur le vent. Attends, y a personne ? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière le Domic ? J'ai cru en première station qui appelait, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Dans la station, si tu veux lancer ton appel, il n'y a pas de problème, hein, mais c'est 19, c'est fait pour ça. Nous, on squatte un petit peu parce que pour faire vivre un petit peu le canal, mais il n'y a pas de souci, il y a la place. Oui, tout le monde est bien et le bienvenu dans le QSO, Hachi. Continuer, hein, voilà. On ne va pas être emmerdé par les bouchons, toi, aujourd'hui, ça c'est une bonne chose. Je sais pas s'il y a une alerte pollution, mais en tout cas, question de circulation sévère partout, c'est plutôt pas mal. Quoi, je vais regarder le temps de charger Google, là, le trafic, pop. Ne tombez pas à l'abri qu'il y a un petit accident ou un petit truc fermé, tout ça, bon, non, sévère partout, la roquette, donc tu vas te régaler. Ok, j'aurais bien pris la moto aujourd'hui, mais avec 3h30 de soleil, ça fait un petit peu short. À l'aller, ça aurait été, mais le retour risque d'être un peu compliqué. Du coup, je me suis dit, bon, ok, allez, je prends le push, peu importe. Et puis voilà. Et au fait, là, sur Tresse, il y a une ancienne station qui se remet en fréquence. L'as-tu déjà entendu ?
ça peut dire rien, mais vas-y, donne-moi le QRZ ou l'indicatif. Ah bah ça j'aimerais bien, il faudrait que je réécoute les vidéos précédentes pour arriver à retrouver ça. Et je suis même pas sûr qu'il me l'ait dit, si il a dû me dire au moins son prénom, je sais plus. Ok, parce que je sais qu'il y a une station qui était sur Florac avant, qui s'est remontée qui est partie du côté de Lormont ou Senon, je crois, enfin qui était en bas dans la plaine, qui avait arrêté la radio parce que c'était galère, personne ne l'entendait, enfin voilà, et qui a repris je crois qu'il est sur 13 justement, la station qui était sur 13, il me semble que c'est ça, donc c'est peut-être cette station-là dont tu parles, je sais pas. Je sais pas, je sais plus. Ce qui est sûr, c'est que il est sur antenne filaire. C'est un petit peu compliqué pour le moment là de son côté. Il passe, mais bon, c'est. Il essaie d'améliorer au mieux sa station, quoi. Ok, bah c'est pas ça parce que la station en question dont je parlais, c'est quelqu'un qui avait une antenne je crois correcte, à mon avis, de ce que j'avais entendu. Donc ouais, c'est pas la bonne, c'est pas ça, tant pis. Mais non, alors ça me dit rien. Pourtant, 13, même avec une filière, 13, ça devrait bien passer. Hein. C'est vraiment pas loin de Florac, là, donc je devrais pas avoir de soucis, mais bon. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion. Si tu te souviens du prénom, je pourrais essayer de faire attention, peut-être en essayant de choper la vidéo. Si tu dis que t'as enregistré le QSO avec lui, j'irai voir ça à l'occasion. Oui, la vidéo s'intitule « Les anciens cibistes sont de retour sur la Cibi », quelque chose comme ça. Ouais, voilà, donc ça doit être l'avant-dernière vidéo. Mais c'est pas la première fois que je l'ai en fréquence. La semaine dernière, je l'ai également eu. Je sais plus son prénom. Je me souviens plus du tout. Mais là, en ce moment, c'est surtout des essais qu'il fait. Et justement, il lance l'appel sur le 19. Hein. Il a raté là, il devrait être là justement, c'est le moment de faire des essais. Alors, les anciens cibistes, je regarde ça sur YouTube. On va regarder ça. Ah, puis alors c'est l'ordi du boulot, donc j'ai pas forcément les mêmes raccourcis que sur l'ordi perso. Parce que forcément au boulot, hein, je regarde pas les vidéos comme ça de cibistes. Bon, ok, je chercherai ça ce soir si j'ai le temps. On verra ça. Ah si, les anciens cibistes de retour sur la Cibi, CRTSS 7009, hein, avec l'ami Dundee. Bon, c'est bon, j'ai trouvé la vidéo. Voilà, je sais quoi faire cet après-midi, merci. C'est parfait. Ok, bon bah c'est cool tout ça. Ben, je sais pas si notre Fredo est revenu en fréquence là, suite à sa remise en place d'antenne. Là, il avait, si j'ai bien compris, il avait de l'eau dedans qui était rentrée, donc il a démonté, nettoyé, remonté. Et là, il était reparti sur le toit pour rebrancher l'antenne télé. Pour éviter un incident diplomatique avec sa moitié, voilà. On va laisser un petit blanc pour Fredo s'il est de retour. J'ai entendu quelqu'un. Ouais, c'est la station Belette apparemment, 7351 à toi, Denis, si tu l'entends. Oui, Belette, les bus sont 1351 à toi, la Belette, de la part de Daddy 33. Voilà, je suis du côté de la traîne sur la voie rapide Libon de Bordeaux. Ok, les bus sont 1351 à toi. Non, ça passe bien. Pessac, tu me dis? Bah ça va. Avec mon petit 40 canaux AM, ça arrive jusqu'à là-bas. Oui, là-bas, je suis à Bruges, Tartre. Il n'y a pas de problème. Ça passe très bien. Jusqu'à la station de Talent. Il n'y a aucun problème. C'est bon, je dis en plus, il n'y a pas de mal. Ok, comme quoi il suffit de bien faire briller l'antenne au mirror, hachis trois coups et ça passe. Retour Ludovic, si tu arrives à l'entendre. Ah, normalement oui quand même. Si moi je l'entends, toi tu l'entends.
Ok, retour Ludovic. Ok, 6751, la boulette. Alors oui, je te copie, signal de 4-5, hein, mais par contre, la radio, j'ai beaucoup de mal. Hein. C'est assez difficile à comprendre. Hein. Donc je dirais une radio de 2. Bon, il y a peut-être un peu de QRM aussi, hein, mais voilà, c'est... sinon, j'arrive à copier un petit peu, donc ça va. Moi, c'est la station W33 en QTH Florac, donc juste à l'opposé de toi. Par rapport à Bordeaux, hein. et donc en station fixe, hein, voilà. J'accompagne l'ami Rémi dans sa balade. Voilà. Oh, vous voyez qu'il y a du monde sur le canal 19. Il suffit de prendre le micro ou de parler. Lancer seulement des appels, c'est pas toujours bon. Enfin, je veux dire, les gens ne répondent pas forcément toujours. Mais faut parler dessus. Voilà, occuper le canal 19. Et voilà le résultat. Désolé, j'ai pas tout copié. Je sais pas, Rémi, si t'as copié, toi, de ton côté, tu peux faire le QSP. Non, j'ai en plus, là, je suis dans les QRM là, d'Artigues, là, Brico Dépôt, tous ces coins-là, les feux, sortie 26. Et en plus de ça, j'étais en train d'argumenter un petit peu là sur la vidéo à propos du canal 19, où il y a du monde. Hein. Il suffit seulement de prendre le micro et de parler, et puis voilà, ça répond. Enfin, il y a des stations qui signalent. Ah, tu fais de la propagande, c'est bien, bravo. Ok, je suis désolé, mais j'ai du mal à te sortir, donc c'est ira peut-être mieux, je sais pas dans quel sens tu vas, mais c'est ira peut-être mieux d'ici quelques minutes, là, mais pour l'instant c'est assez dur. C'est vrai que la roquette c'est pas très facile non plus, surtout que de plus en plus il y a quand même des... Bon, c'est un peu enfoncé, il y a beaucoup de buts en commentaire, ou des fois des barrières anti-bruit voilà, qui peuvent un petit peu couper... ça peut un peu couper les ondes. Je crois qu'il y a des structures métalliques là-dedans, donc ça peut aussi poser des soucis. Et puis bon, bah, les bâtiments, voilà, on est en ville, hein, donc c'est normal, hein, faut pas s'inquiéter. Voilà. Bon, moi je vais vous laisser quand même, parce qu'il faut que j'aille finir de manger avant de reprendre le boulot. C'est pas tout ça, mais ça rigole pas. Voilà, Rémi, la belette, je vous envoie les bons 73-51, voilà, de la part de W33, opérateur Ludovic, le bon 73-51 aussi à toutes les stations qui sont derrière à l'écoute, voilà, profitez bien du canal 19, il est beau, il est chaud, faut profiter, et puis bah, si vous voulez continuer QSO, pour ceux qui sont à l'écoute et qui n'auraient pas osé prendre le micro, et bien bah, il y a Rémi qui est sur la route, il y a la belette qui sont là, et prêt à causer à mon avis. Donc voilà, allez, bah, je passe le micro à Rémi, puis je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye. Waouh, la pub. Ouais, et puis il y a peut-être Barracuda 56 derrière, je sais pas, on sait jamais. Ok, ben bon gastro à toi, ça, moi c'est déjà fait. Voilà, donc là, c'est le repos là pour le moment. Samedi soir, je sais pas, je vais faire mon possible. Vendredi soir pour le QSO du canal 27, il n'y a pas de problème. Samedi soir, je sais pas. Car j'ai un petit souci perso familial actuellement, donc je sais pas si j'y serai et si j'y suis à quelle heure. Je fais mon possible de toute façon pour y être, il n'y a pas de problème. Ok, les bonnes 73-51 à toi, bonne journée. Je suis sur la rocade du côté de la sortie 25, voilà, c'est direction le sud, direction le Barp. Ok, à plus tard. Ok, et bien moi ce week-end ce sera pas possible, pas dispo du tout, donc voilà, rien à voir avec les événements qui ont pu y avoir la semaine dernière sur le QSO, c'est vraiment que je suis pas dispo, donc voilà, ce sera pour pour l'année prochaine maintenant, le QSO, voilà. Ok, bon, je vois le signal qui monte, là je crois que tu t'approches, je sais pas si tu passes par le pont d'Aquitaine ou par François Mitterrand, mais bon voilà quoi. Allez, ben, la bonne roulade à toi, la prudence,
pareil à toi la belette, et puis une prochaine en fréquence, hein, voilà, et puis au pire, l'année prochaine, au QSO national, mais bon, j'aurai quand même l'occasion d'être en fréquence, je pense, d'autres fois, voilà. Allez, bye bye. Ok, merci, je viens de passer la sortie 24, donc oui, je suis vraiment pas loin. Et oui, il y a ce qu'il faut derrière. Voilà, c'est pour ça que la belette m'a entendu depuis Pessac. Donc là, ça faisait un sacré bout de route, surtout en étant en AM. Ok, bye bye, bonne fête à toi. Ben, c'est pareil, hein, comme j'ai dit précédemment dans le QSO national du Canal 27, bon, le week-end de Noël, on va pas le faire, hein, c'est plutôt pour la famille. Le réveillon du premier de l'an, pareil aussi, on va pas le faire, c'est plutôt avec les amis. Voilà, ok, bon appétit et bonne journée à toi. A plus, à la prochaine. Ok, bye. Bye. Attention la belette pour voir si je t'entends encore. Je suis dans la descente là vers Bouillac. Bon, la belette, je l'entends plus. Là, je suis complètement dans le trou là vers Bouillac. Là. Je suis pas loin du relais d'ailleurs. Attention, les stations en fréquence. Est-ce qu'il y aura quelqu'un en fréquence sur le secteur? Tiens, par exemple. Ok, bonne journée à tous. Je reste de toute façon en stand-by dessus. Moi ça serait chez moi, je la sortirais à plein d'endroits, je la sortirais, j'aurais pas remis à de la terre, donc comme tu dis, j'aurais mis du ballast, j'aurais mis une semi de ballast en fond et après je remets 0,30 quoi. Oui, même deux semi au pire de ballast en fond et après tu mets les 0,30 par-dessus quoi. Mais vu que l'autre son collègue là, il voulait lui passer en concassé, mais il a dit on va mettre de la terre et puis après on va mettre du concassé par-dessus. Mais je dis ça va faire de la merde, mais bon après. Ouais, ça m'assure, c'est ce que je lui avais dit aussi, écoute après ils vont rougir, hein, c'est ça. Hein. Ouais, mais bon, aller au moins cher, comme je l'ai dit, moi je veux bien aller au moins cher, mais le problème c'est que après, si vous avez de la merde et que les voitures elles sont dans la bouillasse, moi je veux pas d'histoire quoi. C'est ça, moi c'est ce que j'avais dit, je lui ai dit le problème des métaux, c'est pour les sous-couches, ils coûtent pas cher, mais si on mettre un expo comme ça, j'en mets pas un, moi je préfère du rythme ou le bas de quelqu'un, en plus c'est pire, mais c'est mieux. Salut Manu, ouais je vais là-bas. Là j'ai visé sur la route en haut et j'étais obligé d'aller faire une demi-tour plus loin et revenir parce qu'il y a un câble qui tire dans l'autre sens et tu peux pas viser en partant d'ici. Je sais pas s'ils ont été allés combien, jusqu'où, est-ce que tu peux reculer dedans ou pas, ça je peux pas te dire, mais sinon il faut que tu ailles faire demi-tour plus loin ou pas arracher le site. D'accord. Ah, normalement oui, sauf si j'ai déjà changé d'avis, normalement je vais celui-là, il y en a un autre encore. D'accord. Et oui, Manu, il avait 6 tours, lui. J'avais 6 tours ou j'ai toujours 6 tours? Non, toi, t'as 6 tours à faire en tout dans la journée. D'accord, voilà, c'est ça. Les stations là, qui veulent prendre la A63 dans le sens Bordeaux-Espagne, bon, y a un chantier là, au début là,
Ok, sur 100-200 mètres, c'est un chantier de débroussaillage. Donc là, tout le monde se retrouve d'un seul coup, là, sur la voie droite. Bon, c'est juste le temps de passer, et puis voilà, après, ça roule tout seul. Puisque là, voilà, ça y est, tout est bon, tout est cuillerot, là, après. Et il n'y a pas grand monde sur la route, en plus. Les douches de la route vous ont été données par votre serviteur Dandy 33. Et bon après-midi. Oui, affirmatif, c'est bien moi. Attends, 14 ODR 002, opérateur Rémi. Évidemment que c'est moi, Hachi 3 coups. Voilà, je fais là quelques secondes une petite vidéo pour te montrer là où je suis en mobile. Et je suis bien là au panneau Le Barpe. Là, je t'entends très très QRP là au niveau du panneau. Là, quelques mètres avant, je t'entendais un peu mieux, quoi. Ok, compris, tu es entre Martignas et Saint-Médard. C'est quoi là je sais plus le nom là du village qui est entre les deux. Hein. Là voilà, je viens de sortir de ma Gudas et là je m'en vais sur le panneau de fer. Hein. Ok, ma Gudas, voilà, ma Gudas, Le Barpe, mobile, eh ben ça marche bien. Hein. Ce matin, j'ai fait briller l'antenne au Mirror, ce qui a permis de développer davantage de watts. Hachi, ouais, c'est en marche. Ouais, affirmatif, je t'entends toujours. Ok, si ce matin j'ai débauché à 7h, alors pour la vidéo, les 213-51 tous, voilà, avec Daniel on est en mobile, lui du côté de Saint-Médard, moi là au nord des Landes, toujours sur le département 33, c'est-à-dire à l'entrée du village Le Barpe. Voilà, pour ce matin, ben, j'ai débauché à 7h de Bordeaux-Nord, et j'ai de suite attrapé les stations qui étaient en QSO sur le 27-400. Ok, alors j'ai un peu de QRM, attends, vas-y, reviens. Voilà, je braque la caméra dessus, vas-y, reviens.
Eh bien, c'est le même signal que le QRM que j'ai là sur le secteur, c'est-à-dire entre un demi-point et un point. Et pour la radio, eh bien, elle n'est pas très épaisse, mais je t'entends bien, c'est une, j'ai envie de dire radio 3, mais non, c'est plutôt 4, parce que malgré tout, même si c'est pas très fort, c'est normal vu la distance, vu le manque de propag, je t'entends bien quand même. 2-3 sur le Nord Gironde, tenez 2. Les 73 Michel, le Nord Gironde, et pour ma part, je suis là actuellement, là en mobile, sur le BARP. Oui, pas longtemps parce que je viens de réaliser en plus qu'on est sur la fréquence d'appel et ça c'est pas bien du tout. Et pour ma... et en plus de ça, j'ai d'autres obligations, obligations familiales sur le secteur. Il va falloir que je vous laisse tous les deux, les bonnes 113 Michel, les bonnes 113 Daniel, et bon après-midi. Je sais pas, parce que là en ce moment j'ai vu que j'ai quelques petits soucis à régler, je sais pas, je devais bosser ce week-end mais le planning va changer. Je vais te laisser et puis nos excuses aux stations qui sont derrière sur le 27-555, je sais c'est pas bien, désolé, pas fait exprès. Je quitte Daniel, à plus. Tous les deux, et à la prochaine, bye bye. Merci, bye bye, je coupe.